être un incubateur d'artistes. D'artistes dans la culture numérique, dans les créations numériques et urbaines. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est de faire que des corps de métier comme le DJing, comme l'humour, comme le théâtre, comme la danse, comme la vidéo, puissent être mis en incubation chez nous pendant un an et avec de jeunes artistes que nous avons préalablement sélectionnés et faire qu'ils rencontrent les grands dans leur métier. Des grands en Europe, des grands d'ici, des grands d'autres pays africains. Et donc le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent les grands enjeux du monde, mais aussi l'intègrent dans leur manière de créer. Bon, on va prendre en résidence 5 DJ, 12 humoristes et beaucoup de comédiens, jeunes comédiens, parce que le théâtre, on va le faire par feuilleton théâtral. Et nous allons aussi prendre des techniciens, on en a déjà, et des vidéastes. Et donc, en tout, il y a 6 corps de métier et aussi le management d'artistes. Bon, la première saison a commencé, nous allons essayer de faire de telle sorte que des grands sortent de ce programme et qui nous suivent. Et nous allons aussi à la fin de ce programme, vers la moitié du programme, nous allons monter un grand événement qui va s'appeler le Balatronix et on va couvrir 21 villes avec ce programme-là. Donc que les jeunes nous suivent, que le grand public nous suive, bientôt, à partir de ce programme de formation d'incubateur, nous allons sortir un grand programme qui va prendre en charge de façon ludique la question citoyenne, la création, la création contemporaine, le numérique, etc. etc. Mais c'est un programme très ambitieux. Mais nous espérons en faire quelque chose qui sera une référence dans la